Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle présentation d'un nouveau build. Alors celui-ci du coup toujours sur la classe du chasseur. Et cette fois-ci on va explorer bien sûr une autre doctrine. Vous savez que j'aime bien changer les doctrines, vous proposer plusieurs possibilités de doctrine. Et ben justement vous avez pu voir sur le post de quoi il s'agissait hein, comme doctrine. Donc il s'agit bien sûr de la doctrine stase. Et là le build que j'ai voulu faire, c'est surtout un build un petit peu marrant, puisque vous allez avoir vous allez avoir plusieurs fois la possibilité de lancer votre lancer de shuriken. Alors il faut savoir que le lancer de shuriken, c'est bien sûr votre attaque de mêlée à distance avec la stase, et donc bien sûr sur le chasseur. Alors là bien sûr comme d'habitude je me suis mis dans le même site habituel hein, la même localisation habituelle, à savoir bien sûr le port du malheur. Alors ici du coup la première arme, il s'agit d'un fusion qui est cinétique. Alors il faut savoir que ce fusion, bien sûr c'est un fusion d'un raid, mais vous avez la possibilité également d'avoir un très très bon fusion du coup qui est plus abordable, on va dire, qui n'est pas forcément besoin d'aller sur du raid. Et je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Je vous donnerai du coup le nom bien sûr de ce fusion au cas où vraiment vous ne pouvez pas avoir la chance entre guillemets d'atteindre du coup ces armes là, parce que c'est des armes de raid. J'essaie toujours de vous donner des petites infos pour justement que vous ayez le maximum, on va dire, de possibilités de vraiment utiliser à fond, même au niveau des armes. Alors la deuxième arme, du coup, vous avez vu, j'ai switch très rapidement, c'est bien sûr le PM, on va dire, que je vous montre le plus souvent en ce moment. Bien sûr, non pas parce que entre guillemets je vais pas vous montrer d'autres armes ou quoi que ce soit, c'est tout simplement parce que c'est le meilleur de sa catégorie. Et donc voilà, pour pouvoir en fait venir chercher à tout prix changer d'arme. Voilà, donc comme c'est le meilleur de sa catégorie, je pense que vous avez déjà dû reconnaître l'arme. C'est un PM abyssal pour l'énergétique et pas 36 millions. Et bien sûr, sans doute le skin vous aura déjà mis sur la piste. Donc bien sûr, je vous montrerai tout à l'heure également. L'arme lourde, c'est une arme un peu plus récente. Il s'agit bien sûr d'une batteuse. Batteuse qui, de temps à autre, va tirer une balle bien spécifique, qui permettra du coup de venir faire très très très, très mal. C'est un peu à l'instar d'une grande ouverture, mais voilà, c'est une nouvelle batteuse justement qui sont un petit peu spécifiques. Ces nouvelles armes qui sont un petit peu spécifiques, qui ont des perks très intéressantes, des perks cachés très intéressantes, mais qu'il faut apprendre à les utiliser de façon correcte pour que bien sûr elles prennent tout son sens et toute son ampleur. Alors ici bien sûr je vais continuer à vous montrer quand même les capacités bien sûr de ce build. On attend juste le respawn, voilà, les mobs arrivent là-bas, parfait. Et donc je vous disais, donc vraiment avec ce build vous allez pouvoir vous amuser beaucoup sur le shuriken comme ceci. Vous allez voir, shuriken, vous allez en bouffer énormément. La grenade également bien sûr qui va revenir extrêmement et rapidement, voilà. L'esquive qui vous permettra de charger votre shuriken, hein, bien sûr. Voilà. Et puis à nouveau la grenade. Je vous laisse un petit peu timer, hein, vous voyez, c'est vraiment très court. Oui, j'ai déjà récupéré à nouveau mes shuriken. Et la grenade, elle est à nouveau là. Du coup, il suffit que je la balance, voilà, voici. Et vous avez du coup la grenade. Donc le shuriken et la grenade, ils vont revenir extrêmement vite sur le mouvement de votre build, voilà, comme ceci. Bien sûr on a également, ça va de soi, le super. Alors le super bien sûr il n'y en a que un pour l'instant qui existe au niveau du chasseur, donc difficile de faire autre que ce super là. Et bien sûr
les attaques que vous voulez, vous pouvez envoyer. Alors moi perso j'évite quand même, mais vous pouvez envoyer la grenade à nouveau. Donc vous voyez que vous récupérez très très rapidement du coup vos compétences. Voilà, vous faites une esquive, hop, et vous récupérez à nouveau instantanément un shuriken. Vous en refaites une autre, hop, et vous en récupérez un autre. Et vous voyez, vous avez déjà la grenade. Vous pouvez à nouveau renvoyer le shuriken. Vous faites une autre esquive. Voilà, donc l'idée c'est ça en fait. Hein. Vous faites des esquives. Voilà. Ça vous permet de récupérer le shuriken et vous envoyez le shuriken. Et normalement, si vous avez toujours cette même mécanique, vous n'allez jamais être à court entre guillemets de compétences. Vous allez au moins avoir au minimum une compétence du coup à chaque fois. Donc voilà donc sur quoi se base ce build essentiellement. C'est pas que bien sûr, mais ça, cela va vous permettre également bien sûr de récupérer très vite la grenade comme vous avez pu voir. Hein, j'ai déjà balancé je sais pas combien de grenades depuis tout à l'heure. Et bien sûr l'esquive qui va vous permettre de régénérer tout de suite le shuriken. En plus de ça, vous avez deux shuriken qui sont possibles puisque vous avez deux lancers de shuriken instant qui sont possibles. Et si vous voulez vraiment vous amuser à envoyer du shuriken en voiture, en voilà, vous pouvez également, vous faites une esquive et puis vous envoyez, vous voyez ce que je veux dire. Hop, là par exemple j'ai envoyé, alors là je suis un petit peu emmerdé par l'ogre qui apparemment a mis un petit peu de temps à descendre. Voilà, et c'est reparti. Voilà, vous voyez, je peux balancer du shuriken en voiture, voilà, de la grenade. Je pense que de toute façon avec ce build là vous allez beaucoup vous amuser. C'est le but, et mes builds du coup sont là aussi pour mettre soit en avant bien sûr le super comme c'était le cas les deux derniers, soit les compétences qui font également revenir le super assez rapidement en soi. Voilà. La mécanique c'est quoi? C'est une esquive, vous lancez le shuriken, ensuite vous pouvez relancer une deuxième fois le shuriken si vous souhaitez, comme ceci, vous voyez, je l'ai fait, la grenade, l'esquive, voilà, toujours la même chose, vous pouvez rebalancer une grenade à nouveau, voilà, comme ceci. Alors en plus c'est une grenade boomerang un peu, parce que en fait vous balancez et ça revient. Regardez les cristaux également qui sont là pour faire réapparaître le shuriken. Enfin bref, voilà. Vous avez vu du coup toute la panoplie du coup de ce build. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille le décortiquer tranquillement dans un endroit où bien sûr on va être tranquille et au niveau des ennemis, il n'y aura personne. Voilà, je vais me mettre ici tranquille, voilà. Derrière ce petit truc, voilà, ici. Et puis c'est parti. Alors du coup, la première chose du coup que je vous avais montré tout à l'heure, c'est bien sûr le fusion. Alors il faut savoir que ce fusion, bien sûr, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, c'est un fusion, bien entendu, que vous pouvez obtenir du coup dans le raid Serment des Disciples. L'astuce, en tout cas l'alternative que vous avez, c'est de partir sur le contre-courant. Si jamais vous n'avez pas la possibilité bien sûr d'avoir du coup cette arme là, voilà, et ça fonctionnera aussi bien que avec le délivrance. Voilà le conseil que j'ai à vous donner par rapport à ça. On va maintenant regarder du coup le délivrance. Alors le délivrance ici, ce qui est très intéressant, c'est le démolisseur, c'est à dire à chaque fois que vous allez fraguer, ça va vous conférer de l'énergie de grenade. Donc voilà pourquoi en fait on récupère aussi rapidement notre grenade. Cette arme là elle a vraiment son importance, puisque du coup avec la perque démolisseur ici, on voit qu'on récupère bien entendu la grenade plus rapidement, puisque à chaque fois qu'on va frag avec cette arme en particulier, ça va vous conférer de l'énergie de grenade. Et votre arme également a la particularité ici de se recharger depuis les réserves lorsque vous utilisez vos grenades. Donc à chaque fois que vous allez du coup tout simplement lancer du coup une grenade, ça va également recharger une partie de l'arme. Et vous avez le chargeur surprise, donc quand les touches directes de la première moitié du chargeur causent une détonation et ralentissent les cibles proches, c'est ce qu'on voit.
et bien sûr le buveur d'âme, c'est-à-dire qu'on gagne de la santé en fonction du nombre de cibles qu'on va toucher avant le rechargement de l'arme. Voilà, et puis ici vous avez bien sûr les autres perks. Je tire votre attention, ici vous avez le god roll, donc si vous voulez avoir le god roll, il faut absolument avoir ces perks. Voilà, l'armature ici est une armature de précision, donc cela va permettre en tout cas un recul de l'arme plus prévisible, comme ils le mettent ici. La deuxième arme, bien sûr, on part sur la toile d'entonnoir, encore une fois, vous allez dire, du coup ici, bien sûr, n'hésitez pas à mettre le chargeur de secours. La perque importante, c'est Frénésie, puisqu'on est sur une arme multifrac, donc qui va du coup envoyer du pâté, si je peux me exprimer ainsi. Et bien sûr, vous avez la subsistance. Alors, on va voir d'abord du coup la subsistance et on viendra ensuite sur la frénésie. Alors, la subsistance, entre guillemets, ça va vous permettre encore une fois, selon les cibles que vous touchez, hein, les cibles que vous avez éliminées, de recharger partiellement le chargeur en puisant depuis les réserves. C'est un petit peu la même chose que tout à l'heure sur l'arme juste avant. Et le frénésie, donc c'est plus le combat va durer longtemps et plus cette arme va s'améliorer partout en fait. En maniement, en vitesse, en rechargement, du coup cette arme sera augmentée et un bonus sera appliqué également. Voilà pourquoi cette arme est vraiment très très efficace, notamment quand vous avez beaucoup d'ennemis devant vous. Hein, voilà, vous avez vraiment une masse d'ennemis assez important. La frénésie va commencer à s'activer puisque normalement vous allez tirer en continu et c'est là que ça va vraiment rendre très fort cette arme. Et donc voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure, dans sa catégorie c'est la meilleure arme, c'est clair et net. Et puis ici j'ai vu mettre en avant du coup le chaos déterministe. Vous pouvez bien sûr mettre d'autres armes si vous le souhaitez. Vous remarquerez que c'est la deuxième arme du coup abyssale que je vous mets. Et là encore, ça a tout son importance d'avoir deux armes abyssales. Alors bien sûr, ici, j'attire votre attention sur le Vex à décimal qui, à chaque fois qu'entre guillemets, la quatrième balle va partir, en maintenant la gâchette, en français bien sûr, ça va faire un projectile lourd qui va affaiblir les cibles à l'impact. Ça veut dire que la quatrième balle va être une balle qui va faire plus mal. Ça va être un petit peu comme un xéno, vous voyez. La quatrième balle sera plus comme un xénophage, c'est-à-dire que ça va être une balle avec un impact plus important. Et donc, bien sûr, ici, vous avez la ricochet, voilà, et la crosse composite. De toute façon, c'est une arme avec des perks fixes. Vous ne pouvez pas les changer, celle-là, puisque c'est une arme exotique. Alors on a fait le tour des armes, maintenant on va passer maintenant au plus intéressant, c'est-à-dire au build, mais cette fois-ci côté armure. Alors côté armure, on a quoi? On a du siphon cinétique et du siphon abyssal, puisque ici principalement les deux armes qu'on va utiliser plus souvent vont être du coup le fusil à fusion et bien sûr l'arme du coup pistolet mitrailleur qui est abyssal. La troisième perte, tout simplement, ici vous pouvez l'adapter. Soit vous mettez un dynamo si vous n'êtes pas forcément dans l'obligation entre guillemets d'avoir des lourdes. Donc cela va réduire le délai de récupération de box super lorsque vous allez utiliser vos compétences à proximité des cibles. Et j'irai vous refaire une petite démo, vous voyez la différence par rapport à tout à l'heure. Ou soit bien sûr munitions lourdes pour tous, ici, qui vous permettra du coup si vous êtes en escouade de 3 ou plus, bien sûr, d'avoir des lourdes pour vous et vos coéquipiers. Alors après, on aurait pu également partir sur le centre du tilt qui est pas bête, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez faire une frag avec la grenade, cela va recharger davantage votre super. On peut également, puisque on voit qu'on récupère quand même assez rapidement notre grenade. Et si en plus, en contrepartie, on pourrait grâce à cette grenade récupérer notre super beaucoup plus rapidement, pourquoi pas. Et encore une fois j'insiste, le centre utile c'est vraiment le mode qu'on peut
rarement s'en passer. On aurait pu bien sûr mettre le dynamo, cela va impliquer toutes les compétences, alors que là ça implique que la compétence de grenade. Non pas pour pouvoir récupérer plus vite la grenade, mais pour pouvoir générer de l'énergie pour votre super. On va passer maintenant aux bras. Alors les bras ici c'est comme d'hab. Hein. Donc la frappe concentrée, parce que là on est sur du coup les shurikens, donc les lancers de shuriken. Donc cela va vous conférer de la compétence de classe. Je vous rappelle, la compétence de classe c'est votre esquive. Donc ici la compétence de classe va du coup venir grâce aux dégâts que vous allez faire avec vos attaques de mêlée, les fameux shuriken. La main lourde, elle, va vous permettre avec vos frags bien sûr de mêlée de charger du coup enfin de faire proc des orbes de puissance, et le récupérateur d'impact, lui, va vous permettre tout simplement, quand vous avez infligé encore des dégâts avec l'attaque en mêlée, de réduire le délai de récupération de la grenade. Donc ici vous générez des orbes de puissance, et ici ça vous permet de récupérer votre esquive, d'accord. Au niveau bien sûr du torse, j'ai envie de dire, là c'est comme d'habitude, vous allez adapter en fonction de la menace que vous aurez à affronter, bien sûr tant vos activités, les modes du coup, soit résistance à distance s'il y en a besoin, amortisseur de commotion, ou encore comme c'était le cas, réduit du coup les délais, les dégâts pardon, à bout portant. Donc voilà, rarement j'utilise celui-ci, moi j'utilise plus l'amortisseur de commotion ou la résistance à distance si besoin, mais vous pouvez aussi partir sur une activité sans aucun de ces modes là et partir tout simplement sur des résistances différentes, comme ça a été le cas par exemple récemment sur la corrompue où je suis parti avec des résistances abyssales, cri électrique et solaire. Vous pouvez partir comme ça sur ce genre de choses. Ensuite ici on a nos fameux notre fameuse armure exotique. Alors Saint-Albanque radieux, franchement c'était une armure que j'aurais jamais cru vous proposer dans un build, et comme quoi il faut croire que je demande de me douter de que un jour je vous le proposerai, mais il faut jamais dire jamais. Et là effectivement sa perk importante c'est la danse, c'est quand vous activez les compétences donc d'esquive à près d'une cible, j'insiste sur le près d'une cible, ça va vous permettre de esquiver plusieurs fois. Alors nous pour le coup on va pas l'utiliser comme ça, on va pas faire pour esquiver plusieurs fois, on va plutôt pour avoir entre guillemets des jokers. Je m'explique, vous pouvez esquiver jusqu'à 4 fois de suite si vous souhaitez. L'idée c'est que ici on a fait que notre esquive nous permette de récupérer soit la grenade ou soit notre lancer de shuriken rapidement. Donc l'idéal pour vous c'est, bien sûr sachant que vous avez deux charges de shuriken, faut pas oublier cela aussi à prendre en compte, il faut vraiment 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 le vouloir pour que vous ayez pas de chance et que à un moment donné vous avez ni lancer de shuriken ni grenade. Donc voilà, normalement si vous esquivez, vous lancez un shuriken, même un deuxième, du coup vous pouvez re-esquiver derrière. L'idée c'est ça. Et donc en ce qui concerne l'innervation, c'est comme d'habitude, c'est pour réduire le délai de récupération de votre grenade, parce que vous avez ramassé bien sûr une orbe de puissance. Vous avez vu que je l'ai mis deux fois, et ici j'ai rajouté la charge élémentaire pour les brèches, les éclats stasiques. Donc un éclat stasique, ou bien ici vous voyez ça concerne bien sûr tous les éléments, donc ici pour le faux follet, la piste, la brèche abyssale ou un éclat stasique, ou bien détruire un enchevêtrement obscur, vous offre une chance croissante d'octroyer une charge armure. Donc nous ici en fait c'est les éclats stasiques qui vont nous permettre du coup d'obtenir une chance croissante d'obtenir du coup une charge d'armure. Charge d'armure qui pourra par exemple vous permettre, si vous êtes dans une si vous êtes dans une optique de DPS, de venir mettre ici des surcharges d'armes pour tout simplement ramener un petit bonus de dégâts supplémentaires grâce aux charges d'armure que vous aurez bien entendu
stockée. Et ça, c'est du coup pour ça que la charge élémentaire est importante dans le fait de vos éclats stasiques vont avoir une chance croissante du coup, de vous faire proc une charge d'armure. Bien sûr, ici, là-dedans, donc le Saltimbanque radieux, voilà, donc prend vraiment tout son sens par rapport à ça, hein, par rapport aux multiples esquives que vous pouvez faire, mais comme je vous le disais juste avant, faites bien attention à pas à griller vos jokers trop vite. Et en ce qui concerne bien sûr la cape, donc l'objet de classe, ici on est sur du classique, donc avec double bombardier, donc cela va réduire le délai de récupération de la grenade lorsqu'on va utiliser l'esquive, donc la compétence de classe, doublement, donc de 5-10 à peu près. Et là, la distribution, c'est pour réduire tous les délais de récupération des compétences lorsqu'on va utiliser la compétence de classe à proximité des cibles. Attention à ne pas confondre avec le dynamo, c'est pas pareil. Ici, on a la même, on a presque la même chose, mais c'est pas pareil. Réduire le délai de récupération de votre super. Donc, alors que là, en fait, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est réduire le délai de récupération de votre super lorsque vous utilisez une compétence de classe à proximité. Là, c'est pour le super. Et là, vous allez voir, du coup, voilà, ça c'est pour réduire le délai de récupération de votre compétence de classe. Donc c'est pas la même chose, à pas confondre, voilà. Et bien entendu, double bombardier, comme je vous l'avais dit. On a été complet au niveau des armures, on peut maintenant passer à la doctrine. Alors ici, le super, bah, il y en a qu'un, donc c'est rapide. L'esquive du parieur, le saut que vous souhaitez, le lancer de shuriken, de toute façon vous n'en avez pas un autre, la grenade à crépuscule, c'est celle que je vous recommande clairement de mettre. Je pense que si vous en mettez une autre, vous cassez quelque chose dans le build, clairement, parce que vous voyez, vous passez quand même d'une grenade un peu plus allongée, on perd quand même du coup 30 secondes, et 30 secondes c'est énorme. L'aspect récolte qui lui va vous permettre d'éliminer, de ralentir, de geler, de créer des éclats stasiques et conférer de l'énergie de mêlée une fois que vous les ramassez. Voilà pourquoi en fait c'est très très important de mettre cet aspect là pour que votre shuriken puisse revenir très rapidement. La touche hivernale qui elle va vous améliorer votre grenade, et donc ça va augmenter le champ du coup de la grenade, et ça va créer un petit cristaux au milieu, hein, du coup que vous allez pouvoir du coup détruire à l'impact, et tous les ennemis qui seront à l'intérieur seront pulvérisés, hein, tout simplement. Les fragments ici, le murmure de givre, donc quand vous allez récupérer du coup des éclats de ça, ça va vous conférer une petite quantité de surbouclier. Cela bien sûr va diminuer au fur et à mesure, hein. Dure 10 secondes. Mais quand vous allez récupérer à nouveau des éclats, cela va re-augmenter et re-actualiser le compte à rebours. Donc, mettons, si votre surbouclier restait plus que 2 secondes, vous allez vous ramasser un éclat stase, hop, ça repartit à 10. D'accord ? Ici, le murmure des drones, c'est pour pouvoir plus, entre guillemets, avoir une efficacité beaucoup plus importante, l'aide à la visée, une aérienne, du coup, la mobilité, la résistance, la récupération après avoir gelé les cibles. C'est quand même assez fort, ça vous permet entre guillemets d'être quand même mobile, ou par exemple d'avoir beaucoup de récupération, enfin d'avoir une récupération plus intense malgré que vos stats sont un peu éclatés. Lorsque vous êtes à proximité des cibles gelées ou d'un cristal, donc les alliés vont vous infliger moins de dégâts. Ça c'est le murmure de chaîne. Le murmure de fragments qui vous confère plus 10 de résistance, c'est quand vous brisez un cristal stasique, cela va augmenter automatiquement et va recharger vos grenades. Et donc vous allez avoir une durée bonus. Donc voilà. Donc ça va concerner surtout les grenades. Et le murmure de conviction, c'est donc pour trahir votre position quand vous êtes du coup dans une nasse d'éclats stase.
Et ça va encore vous rajouter du coup plus 10 de résistance et plus 10 d'intelligence. Et donc ça, cela va trahir votre position. Les ennemis ne sauront pas où vous êtes. Et ça c'est quand même très 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 intéressant. Notamment quand vous allez chercher vos éclats de stase. Et voilà, on a fait le tour du coup de notre build. Il ne reste plus qu'à voir bien sûr le artefact. Alors l'artefact ça va être très rapidement. Mais ici, j'attire votre attention que mon build ici, le principal, c'est de mettre la résistance et de la discipline et de la mobilité. Voilà. Et si vous avez le triple 100, comme c'est mon cas ici, vous voyez, j'ai 200 ici et ici le 101, du coup, et ben, vous êtes opti à 100% pour que ce build soit le plus efficace possible. Alors bien sûr, vous allez me dire, bah oui mais triple 100 ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Pas du tout, parce que regardez ici, vous avez la possibilité déjà d'avoir plus 10 de récup ici, plus 10 de résistance ici, et plus 10 d'intelligence. Donc c'est à dire vous avez 40 points que c'est les fragments qui vous donnent. Là il y en a que un entre guillemets qui vous enlève 10 du coup de force, mais la force on s'en fiche. Donc vous avez la possibilité bien sûr de réussir. Regardez quand même que ici j'ai qu'une armure de armure d'artifice hein, voilà. Imaginez ce que je pouvais faire si j'avais du coup avec ces percles même ici, du coup avec ces c'est à dire autant enfin avec ces mêmes armures mais en armure d'artifice, que j'aurais pu faire un quadruple 100 sans problème. Voilà, donc là le triple 100 vous va très très bien. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à faire un petit retour, à liker, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos que je vais sortir, et elles seront fort intéressantes pour vous. Et donc là je vais vous montrer la différence par rapport à tout à l'heure, donc avec notre mode qu'on a mis pour pouvoir récupérer le super un petit peu plus vite. Donc justement là on est sur voilà, le lancer de shuriken comme d'habitude. Vous avez vu, il y a les cristostases, donc là la grenade, je vais balancer le super, comme ça vous allez voir à quelle vitesse il va revenir. Je vous dis, vous allez vraiment kiffer ce build. Donc vous allez commencer à bien le maîtriser. Vous allez vraiment le kiffer à mort. Moi je pense que il sera sans doute de vous plaire et vous fasciner. Donc vous avez vu bien sûr que je suis quand même assez proche des ennemis. On prend pas des modes entre guillemets pour après faire l'inverse de ce que on souhaite faire. Ça va de soi. La grenade hein, d'ailleurs vous la récupérez aussi vite que le shuriken hein. Je sais pas si vous avez pu voir. Ne changez surtout pas les modes que j'ai mis, parce que sinon vous allez broken le truc hein, vous le casser clairement. Donc vous avez vu que niveau du super on est pas mal, on est presque du coup à plus de 3 quarts du super. On n'a pas fini encore. 3 quarts, hein, voilà, là on se rapproche de la fin. Vraiment, quand la première fois que j'ai testé ce but, j'en ai pas cru mes yeux, j'ai dit mais c'est pas possible, hein, comment ça se fait que je récupère aussi vite mes compétences. J'étais vraiment surpris, et notamment la grenade. Je dis waouh, mais je récupère la grenade super vite. Et oui, en fait, il est vraiment très 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 bien. Vous pouvez vraiment vous amuser avec ce... Voilà, le super est revenu. Vous avez vu, il est revenu très très vite. Et j'ai pas récupéré d'orbe de puissance. Les orbes de puissance, elles sont en arrière. Hein. Du coup, donc voilà. À part mes orbes à moi, je me suis laissé vraiment en avant
pour que vous voyez que du coup je récupérais que des orbes à moi. Mais dites-vous que si vous êtes à plusieurs, bah, c'est encore plus monstrueux bien sûr, parce que vous allez récupérer des orbes des autres. Et cela va vous conférer encore plus vite le super. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que pour cette mécanique vous l'aurez compris. On va maintenant passer, si vous voulez bien, du coup à l'artefact. Et l'artefact ça va être vite fait, on va sauter comme d'habitude la première colonne puisque on n'a pas besoin, nécessité d'expliquer. Ici, ce qui est important, c'est le mode autorisé de mêlée. Pour réduire du coup notamment tous les modes de mêlée sur vos armures. Ensuite ici, hop, les armes éventuellement si vous utilisez de nouvelles armes avec du coup origine profonde ou arsenal surchargé. Ensuite bien sûr la charge contre, le chef d'équipe du coup ne va concerner que trois doctrines, c'est la cryo, le flux obscur et l'abyssal, donc vous oubliez. Celle-ci c'est que pour l'abyssal, encore une fois vous oubliez. Ici c'est que pour le cryo électrique, vous oubliez également. Donc en fait vous avez que du coup les modes autorisés de mêlée, la charge contre et origine profonde ou alors surchargée. Voilà. Après bien sûr en fonction de ce que vous souhaitez mettre comme mode, par exemple tout à l'heure on avait de la surcharge abyssale, vous pouvez bien sûr mettre également les modes autorisés abyss. Ça va vous permettre de réduire un petit peu du coup certains modes. En tout cas le coût d'énergie que ça, cela va procurer. Et donc voilà, donc vraiment l'artefact, ce build se base pas beaucoup sur l'artefact. Et en soi c'est une bonne chose, puisque ça vous permettra tout simplement la saison prochaine de pas vous dire ah le build il va être complètement out, il va plus être du tout d'actualité. Bah pas du tout, parce qu'il se base vraiment pas du tout sur les modes d'artefact, loin de là. Donc j'ai été complet, merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo, j'espère en tout cas vous avoir donné un build encore un qui vous allez beaucoup vous amuser avec. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à m'en faire un petit retour, savoir vos impressions, si vous a plu, si vous a pas plu, enfin bref, comme d'habitude. Et puis il y aura bien sûr encore un build sur le chasseur du coup demain, je vous ferai bien entendu cela demain, et donc ne loupez pas l'heure. Je vous mettrai du coup de toute façon le post avec l'heure bien sûr, et après on aura une petite pause comme ça où on va changer de classe. Il y aura une petite pause et sans doute après j'essaierai de caler ça la semaine prochaine pour vous, pour la classe suivante qui va arriver très vite, puisque là les builds que je vais vous sortir non seulement ils vont être très intéressants, vous allez pouvoir les utiliser la saison prochaine, parce que ça c'est important aussi, parce qu'ils ne se basent très rarement que sur l'artefact. Et en plus c'est des builds vraiment où j'ai pris le temps de tester, c'est des builds monstrueux dans toutes leurs catégories quelles que soient, hein, toutes doctrines confondues. Et donc à ne louper vraiment sur aucun prétexte. Et si vous croyez entre guillemets que c'est des builds que vous voyez ailleurs, détrompez-vous. Malgré que le fait effectivement que ces nouveaux modes, effectivement les builds sont devenus beaucoup plus simples à construire. Mais attention, c'est pas encore le cas. On peut encore se différencier par rapport notamment au gameplay. Et c'est là où je me différencie également par rapport au gameplay, mais aussi à ce que je veux proc en priorité, à savoir les compétences ou le super. Vous voyez ce que je veux dire. Pour l'instant, dites-vous bien une chose, vous êtes loin d'avoir tout effleuré, tous les builds que j'ai. Comme d'habitude, je vais vous remontrer vite fait. Tadada, voilà, vous voyez là, tac, tous ces builds là, du coup que j'ai. Et ben, en fait, ils sont tous minimum à double 100. Du coup, donc très vite vous aurez du coup tout ce que j'ai furtivement montré là sur du coup, le côté. Comme d'habitude ce build sera disponible bien sûr sur Steam, vous pourrez le télécharger dans la description, et vous aurez bien sûr comme maintenant
c'est le cas sur mes vidéos, que je sors le chapitre du coup sur cette vidéo, donc le chapitre, les chapitres du coup, que ce soit de la présentation au build armes, au build armure, etc. Comme ça vous pourrez également aller là où bon vous semble. Sur ce, du coup, bon courage pour ceux qui travaillent encore, parce que du coup, je sais qu'il y en a, hein, bien sûr, dans cette période un petit peu estivale et particulière. Et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur Destiny 2. D'ici là, portez-vous bien et amusez-vous bien sur ce jeu magnifique. Ciao, ciao.